Allez, je lance la VOD pour YouTube, comme ça on se fait un petit résumé. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Comment nous appelons-nous? Quelle est la date d'aujourd'hui? Tout ça, tout ça. Nous sommes le 2 février 2024, YouTube. J'espère que tu vas bien. Et nous sommes sur la quatrième session. Bon, je sais plus. Enfin, je crois que pour YouTube, c'est la quatrième VOD. Où est-ce qu'on en est dans l'histoire? On s'était arrêté avant d'aller à la forteresse oubliée. On avait retrouvé Kairi qui était une espèce de coquille vide, mais qui avait quand même réagi un petit peu quand Sora s'est approché. Et ce qui n'est pas étonnant, puisque on a spoilé le fait que Kairi, en fait, était à l'intérieur de Sora. C'est ce qu'on a vu au tout début du jeu. Donc c'est normal qu'elle réagisse, puisqu'en fait, elle est là! Elle est là, tout simplement. Et Riku, lui, est un petit connard, avide de pouvoir et jaloux. Voilà. Et il a de plus en plus de pouvoir parce que Maléfique lui donne du pouvoir. Voilà. Il est manipulé par Maléfique et il l'accepte volontiers. Voilà, on en était à peu près là. Le nombre d'heures de jeu est passé de je sais plus combien à 27 car effectivement j'ai récupéré tous les objets de la grande horloge qu'on avait commencé à récupérer les dernières fois et je me suis... Bah, j'ai laissé le jeu tourner et je suis revenu chercher les objets. Toutes les heures, voilà, regardez, l'horloge est toute lumineuse. Voilà, donc j'ai récupéré tous les objets qu'on va pouvoir d'ailleurs utiliser, puisque je les ai récup, mais j'ai pas tout utilisé. Il y avait du bonus attaque, du bonus défense, du bonus PC, il y avait des bouts de mithril, il y avait de l'oricalque, il y avait un méga élixir, voilà. Ce genre de choses. Et là, c'est très pratique d'avoir du bonus attaque, hein. Je vous rappelle qu'un 1 point... Dans ce jeu, que ce soit en attaque, en défense ou même en HP, c'est beaucoup. Donc voilà, c'est comme si on était en train de pexer là. Voilà. Un petit glow-up, c'est ça. Je sais pas si on avait changé l'équipement. Alors je crois, peut-être que si vous connaissez bien le jeu, vous pouvez me répondre, mais je me souviens. Enfin bref, je suis pas sûr. Mais il me semble que je ne suis pas obligé de mettre les équipements qui donnent des bonus d'XP sur Sora. Je crois que je peux les mettre sur Donald ou Dingo et que ça compte pour tout le groupe. Donc ce serait plus opti de virer cette bague et de la donner à Dingo, genre. Du moment qu'il est dans le groupe, je crois que ça fonctionne. Et on est toujours avec la Keyblade moche chocobo d'acier pour changer. Bah je suis pas sûr, Chuffy, hein. Je suis pas sûr. Bonjour Ventus. D'après le wiki, donc oui, ouais, d'après le wiki, c'est ça. Hein. Après, on pourrait facilement le savoir en checkant combien on gagne en tapant du sans cœur, quoi. On regarde le chiffre, on remet l'équipement, on regarde le chiffre, quoi. On va juste faire ça avant de partir à la forteresse oubliée. Quoique non, avant de faire ça, le temps qu'on se remette un petit peu dans le bain. On apprend toujours des choses sur ce jeu, tu sais, Chuffy. Sur KH1 en particulier. On va aller prendre un petit peu d'XP, mais en récupérant les marques de trio jaune qui nous manquent. Voire même d'autres, mais je sais plus lesquelles on n'a pas récup. Je pense qu'il y en a forcément à Agrabah. Ah ouais, mais le premier KH en particulier, il y a toujours des choses obscures. Bah genre, on m'a partagé, je sais plus qui m'a partagé ça là sur Twitter, c'était Angie, je crois. Vous voyez le combat de boss de Alice, l'espèce de sans-cœur de papier qui va enflammer ses torches. Bah en fait, il y a quelqu'un qui a partagé un truc qui n'était pas très connu. Vous pouvez aller cibler les fourneaux et jeter glacier 3 fois dessus, et ça empêchera le boss d'aller enflammer ses flambeaux. Pendant un bon moment. Salut Léa. Je sais pas si ça te va, si je t'appelle Léa.
Peut-être quand même qu'ici, il faudra reprendre Aladdin parce qu'il y a des choses à activer. On va voir. On va se remettre dans le bain. Alors, on va commencer par virer la bague d'XP pour voir combien on prend d'XP. Genre sur un sans cœur basique. Là, les petits sans cœur noirs. Ah, bah c'est deux, c'est peut-être pas évident pour eux. Hein. Faut dire que les sans cœur là, ont pas été upgrade. Hein. Un sans cœur un peu plus gros, toi. Combien tu donnes? Tu dois donner 7 peut-être? Ils donnent 20. Voilà, c'est bien. Et eux, 5. On va donner à Dingo la bague d'XP. Est-ce que ça augmente pour tout le monde? Putain, c'est lui que je vais voir. Putain! Il a donné 24. Donc c'est bon. Donc on peut donner les équipements d'XP aux deux Gus là. Et Sora peut avoir des stats. Augmente les dégâts, l'attaque et la défense. Enfin les dégâts de type ténèbres. L'attaque et la défense. Donc on va mettre la griffe du corbeau, ce sera plus opti. Oh, la VF, oui, on commence à s'y faire. Je trouve toujours que ça fait un peu parodie. Mais bon, c'est ok. Hein. Elle est bonne. Au niveau des personnages Disney en particulier, ça fait plaisir d'avoir quasiment tout le temps les vrais doublages. Aucune idée, Chuffy. Aucune idée. Oh, merci beaucoup! Merci beaucoup, Frenchy. J'ai cassé mon jeu. Hop là. Merci pour le raid. C'était sur Genshin Impact. Bienvenue à tes viewers, bienvenue à tes vieweuses. On est sur le projet KH entre particuliers. Je suis fatigué, je suis très fatigué. De particulier à particulier, là on est sur le projet KH. Love sur vos bouilles. Moi. J'ai pas remis la cam pour faire des gros plans. J'ai... Voilà, là je fais un gros plan là et puis tu sais, je mets mes petits doigts pour faire... Bah tu le vois derrière là, tu vois, tu fais... Oh, vous imaginez quoi. Merci beaucoup en tout cas. Particulier à particulier, ouais. Mm-hmm. Ça marche bien, je vois pas le problème. Hein. Bonjour Brita. Bonjour Suzuna aussi. Donc on se refait Kingdom Hearts 1 à 100% en mode expert, voilà, encore. Même si le 1, on l'a jamais fait à 100% ensemble. Trop drôle la caméra. Et on était en train de faire des tests sur les équipements qui donnent des bonus d'XP. Pour savoir si j'étais obligé de les mettre sur Sora ou non, et apparemment, non. Voilà, c'est confirmed. Je peux les laisser sur Dingo et mettre de meilleurs équipements sur Sora. Pareil que j'ai pas dormi pour essayer de me recaler, du coup j'ai collé le stream de Frenchy. Ah bah moi j'ai pas dormi parce que j'ai fait de l'insomnie. Chacun sa merde, hein. Je
vais vite me cacher en lurk pour parfaire mes connaissances nulles sur KH grâce à ton stream. Tu vas voir les connaissances nulles là. Là pour l'instant je farm un tout petit peu. Je viens juste de lancer hein, donc je me remets dans le bain. Et après on va aller dans une zone importante pour le lore. Mais bon, je me balade, je me remets dans le bain là. Mais à chaque fois qu'on joue à ces jeux là, on y joue pendant 12 heures. Je me déglingue, voilà. Je me déglingue le sommeil, j'y pépé quoi. Bon, en vrai, j'ai eu la marque jaune que je voulais, hein. Je peux me barrer. On aime se déglinguer par ici, hein. C'est notre grande passion. Oh, qu'est-ce qui saoule aussi là? Je vais leur faire des gravités. S'ils veulent bien. Ils veulent pas. Gravité. Gravité. Ça prend le temps que ça prend. J'ai plus de magie, oh nom de Dieu. Voilà. Gravité. La marque jaune que tu as faite déverrouille une salle secrète avec de jolies récompenses tout en bas. Oui, c'est vrai que la marque jaune là ne m'a rien donné en tant que tel. Elle fait quoi cette Keyblade? Elle a une. Oh bah super. Elle a une immense portée. Fais voir pourquoi on l'avait mise. Parce que je l'avais mise surtout parce qu'on la voit rarement. On la met rarement parce que pour des raisons évidentes en fait. D'habitude, on passe surtout à âme de héros qui a un point d'attaque et un point de MP en plus, porte de puissants coups critiques. Mais celle-ci est quand même très puissante et très grande portée. Voilà, c'était pour changer un petit peu, hein, mais à vrai dire, elle est quand même assez laide. Donc bon. Mais bon, elles sont toutes moches. Celle-ci aussi, elle est laide. Celle-ci était bien. Ah, je la trouve pas très jolie. Hein. On va la mettre un peu, c'est vrai. Voir si elle fait des jolis traits. Ouais, très rouge là. Mais il n'y a plus le point de sauvegarde ici, parce que je voulais me TP. Mais on va se barrer. C'est pas grave si on récupère pas les coffres tout de suite. Ah quoi que tu me diras, il y a un point de sauvegarde en bas. Finalement, peut-être ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on a fait tomber pour aller ici. Sauf que c'est pas du tout ouvert ce passage. Je sais plus comment on ouvre tout ça.
qu'on trouve Aladdin, il faut qu'on active plein de choses. Ah oui, genre j'ai ouvert ça, mais dans l'autre sens, quoi. Les salles sauf la bonne en fait. Il y a une salle avec le point de sauvegarde et je sais pas laquelle c'est. On n'a même pas besoin d'Aladin en fait parce que je passe au-dessus de tout. Ah, j'ai pas besoin. Enfin, là, j'ai pas le choix plutôt. Vas-y, ça me saoule. Ah, voilà, c'est là. Donc. Ça n'existe pas, le New Game Plus, sur ce jeu-là. D'ailleurs, sur presque aucun cache. Peut-être que sur le 3. Donc j'active tout ça alors que ça sert à rien. Parce que juste en sautant... Je déteste le portrait d'Aladin en haut à droite, là. Je le trouve trop moche. J'active tout, hein. C'est juste pour mon esprit de complétion, il faut que ce soit fait alors que ça sert à rien. Il vole comme un aigle royal. Ah ! N'empêche que... Celles-ci, on les avait pas. Par contre, je sais pas où ça a ouvert, mais ça a ouvert. Ça n'a plus d'effet. Ah. Je sais ne pas l'avoir fait. Ok, où est-ce que j'ai ouvert le passage? Finalement, deux coffres, oui. Finalement, deux coffres. Mais où ? Putain, je tourne en rond.
Ça y est. Lock booster pour le vaisseau. Et des chiens. Aladdin, ça va? Ok. Qu'est-ce qui nous manque comme marque jaune? Je me souviens plus que vous m'aviez dit. Il y en a une forcément ici. Pays imaginaire, tu voulais dire, non? Caméra. Bonjour Vintia. Auricalque pour crafter. On sera bien content d'en avoir un max. Des chiens. Matière noire, pareil. Pour crafter, on sera bien content. Essence du vent. Rafale devient Rafale Plus. Donc je crois qu'à partir de là, Rafale fait des petits tics au corps à corps. Ça fait des dégâts au corps à corps. Tu comptes Craft Ultima? Bah on fait le 100%, donc fatalement, oui. Oui. Sommes-nous arrivés au niveau où l'XP va plus vite? Oui. C'est à partir du niveau 40. Effectivement, l'XP va plus vite. Enfin, plus vite. Plus vite que si on avait choisi d'aller plus vite au début. Ça va quand même être long, parce que... voilà, mais... On est à 4 sur 4 sur les trios jaunes, 8 sur 9, 4 sur 6, 10, 15 sur 17, je sais plus ce que j'ai laissé traîner pour les autres, mais ce n'est pas grave. Et les dalmatiens, là, ça commence à se remplir. Salut J.I. I'm who? Allez, on y va. Avec notre superbe vaisseau, nous partons.
Moi j'aime bien les phases de vaisseau, elles ne me dérangent pas. Ce que je reproche surtout, c'est que c'est moche à crever. Mais sinon, le gameplay en lui-même ne me dérange pas. Le mur! Ça alors, regardez ça! Je connais cet endroit. Tu connais cet endroit ou Kairi connaît cet endroit? Étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens cette chaleur juste ici. Tu as faim, c'est tout. Je suis sérieux. En route. Y'a pas de coffre dans cette partie-là? Pourquoi t'es remonté, là? Glacier! Et tiens! Des chiens! Écoutez, j'étais persuadé qu'on pouvait passer par ces bulles-là, mais ça doit être celle d'après. Là, il y a... Ah. C'est ici qu'il faut plonger. Je sais plus combien il faut de chiens pour la prochaine récompense. Super, bravo, j'ai voulu m'accrocher direct. Et oui, il n'y a plus Sia. Sia ! Maintenant, on a Glacier. Glacier ! Glacier ! Si tu pouvais tourner, s'il te plaît. Merci. Depuis toujours.
Depuis toujours, on peut glacer les bulles. Tant de mystères dans ce jeu. Ce genre de petits secrets là. Pas de vaisseau, aucune aide des sans cœur. Mais comment es-tu arrivé ici? J'y ai simplement cru. Je n'ai rien fait de plus. Quand notre monde a sombré dans les ténèbres, Belle m'a été enlevée. J'ai juré de la libérer, quoi qu'il arrive. Donc, me voilà. Je suis certain de la retrouver. Elle est forcément ici. Je la ramènerai! Récupère-la, si tu peux. Enfin, te voilà. Ce n'est pas trop tôt. Je t'attendais. On a toujours été rivaux, n'est-ce pas? On n'arrêtait pas de se défier. Tu t'en souviens? Riku... Mais ça s'arrête là. Il ne peut y avoir deux maîtres de la Keyblade. De quoi est-ce que tu parles? Que la Keyblade choisisse... son vrai maître! Maléfique avait raison. Tu n'es pas de taille à sauver Kairi. C'est à moi de le faire. Seul le maître de la Keyblade peut ouvrir la porte secrète et changer le monde. Mais c'est impossible. Je ne comprends pas. C'est moi qui suis arrivé jusqu'ici avec la Keyblade. Tu n'étais que le livreur. Désolé, ton rôle prend fin. Tiens, va jouer les héros avec ça. Il est violent quand même. Le pire, c'est les deux autres derrière là. Que le roi nous a dit de suivre la clé et tout ça, mais... Sora, déjeuner. Ne bouge pas, tu es blessé. Pourquoi... Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu me battre pour Belle. Et bien que je sois seul, je me battrai. Je ne repartirai pas sans elle. C'est pour ça que je suis là. Comment ça se fait que la Keyblade retourne à Riku à ce moment-là? Parce qu'à la base, la Keyblade était... C'était Riku qui était censé être le porteur. Mais comme il avait choisi les ténèbres, elle a changé de cible. Je suis venu ici trouver quelqu'un qui m'est très cher. Mais pourquoi maintenant juste il utilise peut-être le pouvoir des ténèbres, qu'elle lui a donné Maléfique, des choses comme ça. Bon, on a perdu nos amis et on a récupéré la bête. Il est son vrai maître, il l'a contraint. Ouais. Force du cœur. Force du scénario. Oui, peut-être qu'avant il était pas
au courant vraiment. Peut-être que Maléfique lui a dit, en fait, c'est toi le vrai maître, donc réclame-la, elle va revenir à toi. C'est peut-être ça, tout simplement. J'ai pas oublié des coffres, là. Dora, t'as dit. Dora, le porteur de Keyblade. Bah si, si, c'est pour ça que les deux peuvent la prendre, mais... C'est ce que je comprends. Dora égale mom. Je sais plus s'il faut aller voir cette porte. Bah, dans BBS, c'est Terra qui transmet ce pouvoir à Riku. Et Sora, il obtient ce pouvoir parce qu'il abrite le cœur de Ventus. C'était ça, non ? Putain, j'oublie tout. On explorera quand on aura récupéré nos traîtres là. Et la Keyblade, ce serait pas mal. N'empêche que maintenant Dingo il a mon équipement d'XP. Oh, c'est vrai qu'on change de ça. C'est barré avec tout le matos. Voilà, c'est ça, Riku, en 3 secondes, il a pris la Keyblade, les amis, l'XP. Super! Et nos espoirs. Oh là là, je suis déjà en retard sur les rediffs, c'est terrible. Je fais juste un petit coucou avant d'aller prendre mon bus brioche subfollow brioche x brioche et coloquinte. Glacier. Je peux pas aller là-haut? Je pense que si.
Glacier! Glacier! Ouais. Salut King. Ah, il y avait bien un coffre là, non? J'ai pas vu un coffre. Et tiens! Prends de mon cheval! Ok, la porte s'est ouverte. Là, il y a un coffre. Bon, je pense qu'il manque plein de choses ici. Parce que je sais plus comment on y va. Mais plus tard. La bête, faut venir bosser là. C'est ici que ça se passe. Oh putain. Ça s'emballait. Reste sur tes gardes. Ils arrivent, je le sens. Es-tu prêt à te battre? Oh.
face aux Kairi. Les ténèbres te détruiront. Tu te trompes, Riku. Les ténèbres peuvent détruire mon corps, mais pas mon cœur. Mon cœur restera auprès de mes amis. Il ne mourra jamais. Vraiment? C'est ce qu'on va voir. Téléportation de dingo. Arrête, ça suffit. Laisse Sora tranquille. Tu trahirais ton roi? Jamais de la vie. Mais je ne vais pas trahir Sora non plus, parce qu'il est devenu un de mes meilleurs amis, après tout ce qu'on a traversé. À plus tard, Donald. Tu peux dire au roi que je suis vraiment navré. Attends. On va lui dire ensemble. Bah oui, tu sais, un poteau, c'est tout pour moi. Tu vas devoir rester avec nous, Sora. Merci beaucoup. Donald, Dingo. Comment vas-tu combattre sans armes? Je sais que je n'ai pas besoin de la Keyblade. J'ai une bien meilleure arme. Foudre! Ok. En quoi cette petite chose fragile pourrait t'aider? Même si mon cœur est faible, il n'est pas seul. Il a grandi à chaque nouvelle expérience, et s'est attaché... C'est ta flair! Je suis devenue une partie de leur cœur, tout comme ils sont devenus une partie du mien. Et s'ils pensent à moi de temps en temps, s'ils ne m'oublient pas, alors nos cœurs n'en formeront qu'un. Je n'ai pas besoin d'armes. Mes amis sont ma force. Hola. Merci, Winos. Alors que je peux invoquer Bambi. Mes amis, ouais, qui sont partis... qui se sont barrés. Bloqué, moi. Et tiens. Cette blague redondante. C'est ton cœur qui a triomphé. C'est mon cœur. Longtemps qu'on n'a pas regardé les comptes, non? J'ai 4 points. On peut mettre profusion. Ouais, on peut mettre profusion, rapprocheur. Attraction pour Donald. Et rien de bien foufou pour Dingo.
Je sais pas ce que ça donnerait ouais, de booster à fond Donald ou à fond Dingo. Mais je pense pas, vu comment ils sont tout pourris, je suis pas sûr que quelques points les aident. Pour le challenge, ouais, il y a peut-être des runs comme ça. Non, les objets de la tour sont tous récupérés déjà. Je l'ai fait de mon côté. Je sais jamais comment ça marche, ça. Juste tu le tournes et... Je sais jamais, à chaque fois j'oublie. Putain, pourquoi on refait ce jeu encore 20 000 fois si à chaque fois j'oublie tout? Juste le tourner. Bah oui, mais c'est complètement con alors. Je tourne. Sky, il m'a dit je tourne. Je tourne, mais alors je tourne. Bonjour Kim. Ah ça je tourne, hein. Alors ça je tourne. Bam! Putain, qu'est-ce que c'est nul! Ça c'est nul! C'est nul! Je suis très énervé. Bonus PC. Petite séance documentaliste là. Salut Tommy Trayette. Pourquoi il y a un plug sur la table ?
bizarre. Cette ogive. où sont les derniers livres là? Pourquoi je suis débile? Pardon, je l'ai laissé traîner. Bah voilà. C'est pour la bête. C'est quand même à la table de la grand-mère de Kairi, mais bref. Pas les chandeliers qui font de l'eau, c'est les tuyaux qui fuient. Ils sont où les bouquins qui me manquent là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, il est là. Faut tout refaire. Lâche ça. Je l'aurais plutôt mis ici, le plug. C'était plus intimiste que devant la fenêtre, peut-être. Après, moi, je dis ça, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. On m'a raconté. Enfin, bref. Attends, j'ai cru que tu parlais de Ace quoi. Après, l'Ace en sueur, hein, c'est pas parce qu'on est Ace qu'on sait pas comment ça marche. Hein. T'es caté. Hein. Elle admire le jardinier en même temps. Ok, Gabriel Solis. Je suis en train de repenser Sky. Balaye devant ta porte, s'il te plaît. Bonjour, solisticien. Ah, le bloc qui aspire. C'est pas ça, le bloc avec les mains? Non, Brita, t'étais peut-être pas là, mais je sais même plus Sky, tu sais, qui me troll, et puis je sais pas, je lui réponds « Ouais, ça va Sky, hein, balaye devant ta porte. » Et je sais pas pourquoi, ça nous a fait rire. Parce que déjà, Sky n'avait jamais entendu cette expression. Fait Desperate Housewives. J'adore la première saison. Du coup, j'en ai parlé à des gens et la réponse était bah tu connais pas. Donc vraiment, il y avait que toi qui n'avais pas cette info. Donc j'étais pas trop fou quand même. Bonjour Luffy. Bonsoir Paris. Yeah. Bonsoir Thorlink. Enfin bonjour, il est 16h.
se calmer sur le bonsoir là. Elle est allumée, bah ouais. Lors de l'apéro. Et tiens. Et tiens. Bonjour Alice, on en est où dans l'histoire? Eh bien, on a perdu la Keyblade et on a récupéré la Keyblade. Voilà. Je sais pas si tu connais l'histoire ou pas, en fait. Et tiens. Vas-y. Foudre. Et tiens. Et je peux me souvenir où est-ce qu'il faut aller maintenant. Ouais, je sais pas si tu connais pas le jeu, Alice, Titiflette. Je peux te résumer un peu où on en est, mais si tu connais, bah... On vient de taper Riku. Une première fois. En fait, ça fait 3 mois que je suis en train de regarder tous les soirs le 100% platine que tu as fait il y a 2 ans. Je ne suis jamais venu sur les lives. J'ai fait que les rediffs. J'en suis à Kahashki. Ok, ouais, donc tu vois à peu près, alors. Il manque un morceau, je sais plus où on le récup. Peut-être dans les pots, tout simplement. Mais bienvenue en stream, ça fait plaisir de vous voir ici. Ça fait plaisir que vous soyez très enthousiaste sur Cash, là j'ai vu aussi dans les commentaires YouTube. Il y a plein de gens qui regardent encore le premier projet. Et vraiment, je vous conseille de regarder le premier projet pour comprendre l'histoire. Là, on explique quand même beaucoup moins. On est quand même moins sérieux sur le scénario. Bonjour Faliox. Bah, j'aime bien, c'est tout. Oh là là, ça chouine. Le cœur qui est fort et pur remportera la Keyblade. Quoi? Mon cœur serait plus faible que le sien? À cet instant, il l'était. Toutefois, tu peux devenir plus fort. Tu as franchi la porte des ténèbres sans la moindre crainte. Elles n'ont pas d'emprise sur toi. Suis la route qui mène aux ténèbres, et ton cœur deviendra encore plus fort. Que dois-je faire? Rien d'extraordinaire. Ouvre ton âme aux ténèbres. Riku va se faire posséder par le truc devant lui. Ton cœur, tout ton être devenir ténèbres. Ouais, là c'est le cœur de Xexé jeune sans... Non, si? Non. Oh, je sais plus, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pas de corps. Mais maintenant, il va en trouver un. Hein.
Si vous arrivez à expliquer ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas. Hein, parce que... Gravité. En tout cas, c'est quelque chose sans corps. C'est le cœur de Terra Norte. C'est dingue, hein. Pourquoi j'oublie tout le temps ce jeu. Merci, hein, Foudre, d'être encore là. Encore. Gravité sur les énormes ennemis comme ça, c'est trop bien. La commucage demande tout le temps des news, c'est ça? Sur le jeu? Oh bah ça arrivera quand ça arrivera, hein. Tu sais, hier, on disait Foudre, ou je sais plus, c'était avant-hier. Je m'amuse à dire que, en fait, je suis en contact avec Square Enix et qu'on s'est mis d'accord. Et qu'en fait, ils attendent la fin de ce deuxième projet KH pour faire une annonce. Donc vraiment, restez jusqu'au bout. Ah, t'étais là. Je me souviens plus. Perdu là. Attends, je viens de là. Ah mais non, mais il faut toucher ça. Un bout de mithril. Enfin, un bout de mithril. Un mithril, mais un bout de mithril. Bref, t'as capté. Tu vas annoncer KH358 sur 2 Days en remake avec le multi online et tout. La totale. Tiens, on m'a parlé d'ailleurs de Ricodit, je crois, qu'il y avait un machin online. Et que pour le 100%, c'était conseillé ou je sais pas quoi. Gravité. Passerelle montante.
En fait, j'y connais rien au... jamais fait la version DS, je ne saurais pas te répondre. Ok, mais j'y connais rien justement ouais, aux versions DS, au 100%, ce qui... Parce que je dis le 100%, mais ça se trouve, on fait pas le 100%, on fait un maximum, mais s'il y a des trucs super lourds... Je sais pas ce que c'est le 100% sur les versions DS. Mais voilà, quelqu'un avait dit « J'espère que tu as l'option multi sur ton émulateur, parce que sinon ça va être super relou. » Mais faudra que je me renseigne. C'est super chiant ici. Je sais plus le nom de l'émulateur. Mais je sais pas en quoi, pourquoi il y a cette histoire en fait. Putain, tombe pas toi. Oui, ça doit être ça, Faudre. Ça me dit quelque chose. Enfin, je crois, je sais plus. Non, c'est Melon DS. Oh, je sais plus. Le gros melon, là. T'avais dit il y a quelques lives. Ok, bah alors le melon DS, alors. Le gros melon. Encore Grimm brailler sur Overwatch là, si jamais vous l'entendez, bah c'est normal. Mais la dernière fois vous m'aviez dit que vous l'entendiez pas. Je trouve bizarre que vous l'entendiez pas parce que il gueule. Swing. La question qui tue, Oricalc ou Orichalc? Oricalc.
comme Carcacroc. Le Pokémon, là. Bonjour, Tismatic. T'avais pas obtenu un bouclier pour Dingo ? Oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Merci, merci. Auricalque. C'est là que j'avais vu. Courage. J'ai envie d'essayer quelque chose, mais je l'ai jamais fait, du coup ça va absolument être un gros fail. Ça marche. Petit raccourci des familles. Gravité. Parcours. Bon, en vrai... Et tiens. De toute façon, je veux pas speedrunner, mais... je voulais le faire, quoi. Couronne royale. Réduit les dégâts de feu, de glace, de tonnerre de 20%, augmente les MP max, mais réduit l'attaque. Pardon. Mets ta couronne, Donald. Poubelle. Bonjour, pingouin. Nul. Zéro. Réduire l'attaque. Est-ce que j'ai passé une bonne journée hier ? Pourquoi tu dis ça? Une raison particulière? En tout cas, je sais que je me suis endormi sur le stream et que j'ai pas vu la fin de Portal 2. ça, je le sais. Pas eu ton gâteau, non.
gravité. Ouais, c'est possible que hier c'était mon anniversaire. Ça y est, j'ai 27 ans. On a pris contre. Ah, me souhaitez pas mon anniversaire, hein. C'est pas mon anniversaire, c'était hier. Vous êtes en retard, tant pis pour vous, hein. C'est pas la peine de me le souhaiter. Remballez. Permet d'effectuer un contre très rapide sur un ennemi après avoir paré. Ah ouais, mais à chaque fois, je crois que je le fais pas vraiment, ça. Balayez devant votre porte. Je plaisante, merci beaucoup. Pas lui souhaiter, c'est pour ça qu'il a pas stream hier. J'ai pas streamé pour ça, c'est surtout que j'étais pas disponible non plus, mais non mais faites ce que vous voulez, je vais pas vous dire non mais souhaitez pas mon anniversaire. S'il vous plaît. I'm so different. Please stop. Oh my god, please stop. Il y avait plus important, il y avait Drag Race Belgique. Il y avait plus important, il y avait Mocha Bonnet sur un overboard. Oula. La serrure des ténèbres. Pas du tout possédé, Riku, pas du tout. Si vous l'ouvrez, les sans-cœurs envahiront ce monde. Quelle importance. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur moi. Je me servirai de leur puissance pour régner sur les mondes. Quelle assurance. Oh. C'est impossible! Toutes les princesses de cœur sont ici! C'est sa faute. Sans son cœur, elle ne pourra jamais libérer son pouvoir. Mais qui peut bien avoir son cœur? Les fous du roi sont là.
Je vais m'occuper de moi-même. Reste ici et surveille les princesses. Plus lentement, s'il te plaît. Ouais. J'avoue que c'était pépouze, hein. À l'autre, la dernière serrure va céder. Ce monde sera plongé dans les ténèbres. C'est inévitable. Nous empêcherons ça. On n'a pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. C'est hors de question. Pauvres fous ignares. Vous croyez pouvoir me battre? Moi, la maîtresse absolue du mal? Je peux faire voler des cailloux! Éjecte. Soin. Et tiens. Soin. T'es sérieuse là? Gravité. Merci. Gravité. Je sais pas si ça marche. Voilà. Merci. Besoin d'aide. Riku. Oui, une Keyblade. Mais contrairement à la tienne, cette Keyblade permet d'ouvrir le cœur des autres. Tu veux une démonstration? Regarde. Maintenant, ouvre ton cœur. Abandonne-le aux ténèbres. Deviens les ténèbres. Oui, c'est ça. Ce pouvoir. Les ténèbres. Les véritables ténèbres.
Oui, la Keyblade de cœur, ça a été un peu abandonné, ça. Maintenant, toutes les Keyblades le font. Alors la fée clochette, elle fait de la régène de vie. Et elle m'empêche de mourir une fois. Et quand elle m'empêche... Enfin là, elle a invoqué à tout jamais, je crois. Mais si elle m'empêche de mourir, elle s'en va. Auréole plus régène, c'est ça. Rien, putain. Allez, ciao, maléfique. Bon voyage 10 000 ans dans le passé. Ou dans le... Ouais. Bref. Ciao. Il reste une espèce de merde devant là. Je croyais que c'était sa cape. Elle n'est qu'une marionnette finalement. Les sans-cœurs se servaient de maléfiques depuis le début. Elle n'a pas réalisé que la noirceur de son cœur la dévorait. Une fin bien méritée. J'ai un doute si je peux avancer sans faire le combat. Je pense pas. Parce que là, le but, ça va être d'attendre pour faire le combat contre Riku. Je suis quand je peux, mais là, Riku, Xehanort, bah ouais, il s'est fait posséder par... par Ansem. On l'appelle comme ça dans ce jeu pour l'instant. Et du coup, voilà. T'as 10 mètres de couloir, mais voilà, ok. Très bien. Alors, on va se barrer. On a les marques blanches à activer. Et on a aussi un petit colisée de l'Olympe. Ansem, le sans-cœur de Xehanort jeune. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive plus à répondre. Si vous le savez.
Masse fatale. Oui. Non, Ansem, c'est le sang-cœur de Terra Nort. Ouais. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais c'est qui Terra Nort? Eh bien, c'est un autre personnage possédé par le vieux Xehanort. Faut regarder le schéma de ses morts, là. Parce qu'en plus, le Xexé, là, il se fait appeler Ansem, l'assistant de... Non, l'assistant d'Ansem, là. Il y a un mec qui s'appelle Xehanort. C'est l'assistant d'un scientifique qui s'appelle Ansem. Ce mec qui s'appelle Xehanort, en fait, c'est Terra Nort. Parce que c'est le corps de Terra possédé par le vieux cœur du vieux Xehanort. Quand ce jeune assistant du nom de Xehanort, qui est en fait Terra Nort, se transforme en son cœur, il prend le nom d'Ansem. Son maître, là, son scientifique de maître, là, je sais pas quoi. Il se fait passer pour lui. Je crois que c'est ça. C'est plus facile à comprendre dans le premier projet KH, c'est certainement ça. Et tiens. Ils sont trop chiants, eux, je perds un temps fou. Allez.
Gravité. Gravité. Pas mal, hein? C'est Yuffie qui a dit ça, je crois. J'ai manqué quoi ? Bonjour Rickson Rickson. Et bonjour Angie. Ah, ou de la matière noire. On a fait la première visite à la forteresse oubliée et on va farmer un petit peu avant de faire le combat contre Riku, là. Et puis on essaye de se remémorer un petit peu le scénario de ce jeu de mort. Et à chaque fois, ça m'embrouille, du coup, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Donc je crois qu'on a fait les trois versions des deux premières coupes, plus une version de la coupe Hercule. Donc voilà, on va faire la combattre seule et après la chronométrer. Le scénario est pas vraiment difficile à saisir quand on complique pas tout inutilement. On va dire ça à Nomura. Hein, on est... Trop facile. Mais c'est pénible parce que je sais que je sais, mais j'arrive pas du tout à l'expliquer, quoi. Ça m'embrouille tout le temps. Mais je sais. C'est juste que... voilà. Pour avoir le jeu sur PS4, faut prendre l'abonnement PS Plus. Je sais pas s'il est dans l'abonnement, mais sinon tu peux acheter le jeu tout simplement. Tu prends la compilation 1.5 plus 2.5. Je sais pas s'il est dans l'abonnement. Tous les KH sont dans l'abonnement. Ah bah apparemment, voilà. Si t'as l'abonnement, pas besoin de racheter le jeu. Apparemment. Apparemment. Trop facile. Nomura adore ajouter des choses et du détail. Ça en devient difficile à expliquer correctement. Gravité. Non, c'est pas gravité que je voulais faire. C'est le pouvoir de la Keyblade. Allez. Bon, qu'essaye de faire des parades comme d'habitude. Et tiens. Hop là. Bouclier. Ah.
Putain, j'aime... Il reste un PV, là. Tu fatigues. Bon, je continue. Trop facile. Soin. Bonjour Yudain. C'est la fin, le tout dernier matin. Hercule, Hercule. C'est une station de métro, le mec. Alors, tu abandonnes ? Allez ! Bravo, Sora. Bravo, c'est de l'autre côté, hein. Soin ! Hercule. Hercule. Trop nul, Hercule. Alors, tu abandonnes ? Invalide. Invalide. C'est le pouvoir de la Keyblade. Ouais, faut envoyer des tonneaux pour enlever son état de dieu, non mais je te jure. On a récupéré des coups critiques. Mon seul point faible, les barils en bois. Je suis un dieu et j'utilise mes pouvoirs de dieu pour... Bref. Compétences. Coup critique. Augmente les chances d'effectuer des coups critiques. Ça me paraît bien. Coup critique. J'attends que Donald dise boukake, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le pouvoir de la Keyblade. À la fin là, pendant le truc de victoire. Je crois il dit pour Daisy à un moment donné, c'est ça que t'entends peut-être. Boukake. Bizarre. Bizarre si tu veux mon avis. Glacier.
Je reviens Hugo. Oh, Sora a pris coup critique. Ah bah dis donc, on va pouvoir en activer deux. Oh, il a pas dit pour Daisy. C'est la fin. La dernière tranche de gigot. Je crois que j'ai faim. Un petit creux là. Mais là, vous êtes trop haut, là. Après, j'ai 30 secondes pour tuer Hercule. 30 secondes pour tuer Hercule. 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 Bah oui, j'abandonne. Vous avez mis 10 ans à tuer des bateaux, là. Il manquait pas grand-chose, hein. J'ai perdu. Bonjour, Mookie. On va devoir revoir Hercule. Oh non! Non! On va aller chercher les marques de trio blanc.
Bon, déjà, il va falloir retrouver comment on y va. J'en ai tellement chié la dernière fois. C'était... Ouais. Peut-être par là. White Lotus Forest, other side of picture. Other side of picture in the bizarre room. Bonjour Flocon d'Avoine. Je me suis fait chier à ranger par ordre de jeu des Keyblade. Ah, t'as fait la tier list, c'est ça? Donc t'as fait une tier list par jeu. Il est déterminé. J'ai rajouté des trucs. Non. Mais moi je veux une tier list par jeu. Skyplay 14. Et tiens. Soin. Moi, j'ai pas activé coup critique. Je crois que je suis plus assez de points. J'ai juste mis par ordre. Bah tu l'utiliseras la même tier list plusieurs fois. Bah je sais pas. Bonjour Azedr. Bah, cette fois on va jusqu'à Dark Road, oui. Oui. Je vais, ça me saoule. Ce n'est que la sixième fois qu'on fait ce jeu, hein. Ce serait dommage d'apprendre par cœur au bout d'un moment, de connaître, hein. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Je crois que je l'ai. Je l'ai. Nécessaire ça, le sort stop, Donald. Nous y sommes. As de cœur, est-ce qu'on se serait quand même pas plus joli que cette Keyblade? Petite as de cœur là. D'ailleurs, je peux pas mettre le deuxième coup critique, il me faut 2 points. Parce que j'enlève un boost tech. Merci Yeifu. Merci à toi. Et Azedr également qui prend un abonnement, merci à vous deux. Oh, tu sais quoi, j'enlève un boost tech et je prends un petit coup critique supplémentaire. As de cœur. Alors on perd beaucoup en attaque mais on gagne 2 points de MP. Est-ce qu'elle est jolie
Merci Yefou qui a offert 5 abonnements, merci beaucoup. 105 abonnements offerts sur la chaîne en tout. Hein. Raflax, Suzuna, Léonide Vincar, je ne sais pas si j'arrive à lire, Galadrine, Mighty Thermi. Vous venez de recevoir un sub. Elle fait des jolis traits... Comment appellerons-nous cette couleur ? Un magenta ? Des traits moches. Bon, pas sûr que non. C'est pas moche, ça. Fuchsia. Fuchsia. C'est moche. Mais non ! Oh, vous savez pas ce qui est bon ? Comment ça, c'est moche ? Je suis homosexuel, conséquemment. Je connais les couleurs. Évidemment. Évidemment. En conséquence, allons au vaisseau. Je suis daltonien. Je vais pas donner mon avis. Je suis la seule qui voit rouge. Ah non, c'est pas rouge pour moi, non. Il y a un peu de rose de là-dedans. Non, c'est rose. Oh là là, c'est bon, là. Un peu de nuance, bon Dieu. Vous voulez voir du rose ? Je vais vous montrer du rose. J'ai une Keyblade rose. Salut Zuko TV, salut Mélanie. C'était laquelle ? C'était clairvoyante. Ça, c'est rose. Ça, c'est rose. C'est rose pâle. Ça, c'est rose. Ça, c'est pas rose. C'est... En vrai, ça fait un peu rose Barbie. C'est fuchsia. C'est exactement... Alors, si vous voyez la couleur exactement la même, là, faut aller consulter. Hein. Parce que c'est pas du tout la même couleur. Hein. Sortez le nuancier. Oh là là. Mais qui voilà ? Ouvrez les yeux, ouvrez bien. Ouvrez bien les yeux. J'aurais dit 4, moi. J'aurais dit comme Socre. Oh ! Est-ce le 1 ? C'était le 1. Bien joué, team 1.
Je redirais 4. Mais j'ai peut-être confondu 2. Ah, il y a la team 2 et la team 4. Oh ah, c'était la 4. Titi. On est juste avant le combat contre Riku, là, à la forteresse. On en est où dans les marques, en fait? Il y a une marque rouge, je sais pas où on l'a laissé traîner. Attendez, il va peut-être respawn. C'est non. C'est vous là, on voit rien. Quel emmerdeur. Hop là. Boulet. Un brevet glacier. Moi, je voudrais des larmes de joie. Je crois que c'est eux qui lootent. Ah, pour les rouges. Ouais, mais je sais plus lesquels j'ai fait, moi. J'ai oublié. Prends mes larmes quand je vois Hercule. Non mais Hercule, y a rien, je vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Du muscle et pas du gras. Ouais. Il nous manque encore des types de brais. Oui, je pense. Je pense beaucoup même. Je pense que Hercule, il manque du poil. Il fait trop lisse. Ça, moi, ça m'agace. Il manque un effet daddy, je dirais. Alors que la bête... bah oui, tout de suite. Les extrêmes, tu sais. Yeah.
Ah oui, c'est vrai, il y a Gaston. Mais Gaston, ça me fait trop rire, il y a une scène. Il y a vraiment la scène où, où il monte son torse, là. Calmez-vous, Disney, là. Ceinture d'Ifrit. Réduit les dégâts de feu de 40% et augmente l'attaque. On perd encore un point de compétence. Bonjour Théo Benko. Est-ce qu'il y a une marque blanche à la ville d'Halloween? Je me souviens même pas. Si vous voulez du torse velu musculé, j'ai quelques Patreons quelque part. Je peux vous retrouver ça dans mes papiers. Sinon, il y en a un sur WoW. Sur WoW, je connais un nain poilu. J'en ai pas, Marinette. Je suis incapable de trouver des préférences, moi. Tu vois, là, je vais dire, ah, j'aime bien celui-là. Et puis après, on va aller visiter un autre. Je vais dire, ah, celui-là. J'ai le sosie de Reinhardt dans ma fac si vous voulez aussi. C'est vrai? Putain. Bouclier. Rafale. Tourne. Dégagez, je vais pas vous voir. Brasier. Et tiens. Bonjour, Rash Strbl. J'ai faim.
Eh bah mange tes morts. Essaye de pexer avec eux là. C'est raté. J'aurais peut-être même pas utilisé Rafale. Mettre là-bas parce que c'est un coin sympa. Bah oui, mais c'est ce que je voulais faire, ça. Je sais pas faire. C'est ce que je voulais, mais bon. C'est pas très concluant là. Ouais, il faut quand même le placer, si tu le places pas au début, faut quand même donner un coup ou deux, non? Et arrête! C'est ce coin-là, mais bon. Faut savoir le faire, quoi. Et tu le tapes 100 fois et ça te fait 5000 d'XP. Il y a tellement de latence entre les coups. Zéro coffre. Elle est là, la marque rouge. Déjà spawn le sans-cœur bizarre là. Est-ce qu'il y en a un à farmer ici? Il n'a pas l'air d'être là.
Il me semble que ce n'est pas la bonne génération de mobs, c'est quand il n'y a que des momies. Ouais, je crois que ça me dit quelque chose, oui, mais ça se trouve, ça peut même pas spawn tant qu'on n'a pas fait le combat contre Riku. Mais on a... c'est vrai qu'on avait eu des 100 coeurs spéciaux déjà. Ouais, donc il doit pouvoir spawn en vrai. On a déjà eu celui bah, justement de Monstro qui avait spawn. On a déjà vu celui d'Agraba. Jamais où il faut aller. Oh la cam. Pas au bon endroit. C'est pas ici. D'ailleurs, Imp. Matière noire. On en est où? Eh bien, on en est qu'on a fait une première visite de la forteresse oubliée. Et que j'ai fait demi-tour après le combat contre Riku parce qu'il est difficile et qu'il... Après l'avoir fait, ça upgrade le niveau des 100 coeurs dans tous les mondes. Donc je voulais visiter un petit peu avant. Récupérer les marques de trio en particulier. Retourner voir les Dalmatiens, mais je sais pas si il m'en manque, je sais plus où ils sont à force. Enfin, il m'en manque sûrement. Et tiens, glacier, gravité. Oh là là, j'essaie de... Ah.
pile au bon moment ? Pourquoi le bon moment ? Pour le combat contre Riku ? Pour la musique qui touille ? Non, regarde, Yann. On fait l'aller-retour, là. J'ai juste récupéré ça. La marque blanche du pays imaginaire. C'est peut-être sur le pont. Ou tout en bas. Franchement, je sais plus. Up on deck of the ship. Up on deck of the ship. Il faut monter sur le bureau du mouton. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a aucun sens. Merde, deck, c'est pas... Ah oh merde, le deck, c'était plutôt le paquet de cartes. Le bureau, c'était desk. Ah, oh, la blague est... Ah oh. I want Hercule Big Deck. À mon avis, vu que c'est... Bref, à mon avis, c'est Small Deck, mais bref. Mais je dois être à jeu, je pense. Small Deck Energy. Parce qu'il a pas de poils. Non, non, parce que c'est pas les statues grecques qui ont des petits zizi. Tente de rattraper. Eh, pas du tout, c'est toi qui... C'est toi qui parles de poils. C'est pas moi. Ah non, 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 vous m'aurez pas. Après, il va looter son compo rare. Il va tomber dans l'eau. Ah non, c'est bon. J'ai eu deux gemmes pures. C'est beau. Ici, il y a plein de coffres qu'on peut récupérer, je pense. Surtout en bas. T'as clippé.
Marque de trio, et du coup, il va en manquer plus qu'une, c'est celle de la... De la ville de Traverse, je pense. Je crois que je suis pas allé. Tout le reste, c'est bon. Dumitril. Ah oui, le truc des bougies, on l'a fait, on l'a fait. La ville de Traverse. Je sais pas pourquoi ils veulent absolument qu'on ouvre tout alors qu'on... Enfin... On a déjà le super saut, le vol plané. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ok, il est mort. S'il y a un objet caché en le mettant quelque part, lui, ou si c'est juste pour sauter. Non, il n'y a pas le nombre de coffres de la zone dans KH1. Malheureusement. Ah, il faut la bête. Il faut la grosse bête. Gravité.
Ouais, en vrai, je vais pas faire le truc avec la bête tout de suite, hein. J'ai la flemme de refaire la route, là. Grosse flemme. Je vais aller ici, activer la marque blanche, checker les dalmatiens. Small deck, but big flemme. Bon, il manque 1, 2, 3, 4 coffres. On peut pas descendre par ici, là? Copilote, où sont les coffres? Bon, après, on les fera plus tard, c'est pas grave. On les fera plus tard, c'est pas grave. Enfin, je crois pas que la récompense change grand chose. Quoique, il y a peut-être Rafale X, je sais plus. Toujours sympa, Rafale X. Bonjour Avea. Ok, j'ai eu le trophée là qui s'est affiché, donc on a bien fait toutes les marques. On va aller rendre les yinches, mais je suis pas sûr qu'il y ait une récompense vraiment exceptionnelle pour ça. Coucou, grand sourire. Grand sourire, merci Karuki pour ce 40e mois. Mégalixir, Auricalque, Bloc Ultima, et c'est tout. Il doit manquer peut-être deux récompenses, dont le Rafale X. Pas qu'on puisse crafter, mais... checkons. Des éclats glaciales pour le méga-éther.
Et pour l'anneau d'artisan. Ça, faut tous les faire au moins une fois, hein, on rappelle. Poignée runique, c'est des grocs grondants qu'il faut. Et là, c'est j'aime feu, j'aime glace, oui. J'aime foudre, on en a récupéré pas mal. Là, c'était le sans-cœur où fallait ouvrir les yeux pour bien voir. Il me semble, hein. Mais j'ai pas de feu ni de glace. C'est gentil, Marinette. C'est très gentil. Ne t'en fais pas. Peut-être que t'as un abonnement Amazon Prime. À ce moment-là, tu peux claquer ton Prime. Mais sinon, c'est pas grave. On va faire une mini-pause. Comme ça, je vais aller chercher à manger. Faire un petit pips. Et puis, on va tester le combat contre Riku. Ce qui va nous faire avancer beaucoup dans le jeu, là. Parce que... ça va décupler la puissance des sans-cœurs. Il va falloir farmer. On va passer en mode farm de compo pour crafter, pour avancer vers Ultima. C'est ça que j'avais oublié. Ben oui, manger. Manger donc. Alors, tout de suite, la pause. Allez, on continue. Je suis arrivé sans mourir malgré les 50 km/h sur une route limitée à 30 sans ceinture. Tout va bien, Ace. Tout va bien. Bon ! Les choses sérieuses maintenant. Alors nous avons ici les princesses de cœur, qui ont un cœur pur. Il y en a 6, mais où est la 7e ? Son cœur, elle ne peut pas se réveiller. Quoi ? Tu n'es pas Riku ? La serrure ne peut être complétée tant que la dernière princesse de cœur est endormie. La princesse ? Kairi est une princesse ? Oui. Mais sans son pouvoir, la serrure restera inachevée. Il faut donc qu'elle se réveille. Qui que tu sois ! Laisse Riku partir, et rends-lui son cœur. C'est toi qui dois rendre son cœur à la princesse. Le cœur de Kairi est dans le cœur de Sora. Le cœur de la princesse réagit. Quoi ? 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 Le début, le cœur de Kairi est en toi. Bon, on l'avait spoilé dès le début, mais bref. Kairi est en moi. Désormais, plus rien n'a de secret pour moi. Dis-moi, qui es-tu ? Mon nom est... Ansem, le chercheur des ténèbres. Alors qu'en fait, c'est pas Ansem. Il a pris le nom d'Ansem. Mais c'est pas Ansem, c'est l'assistant. Ouvrez la porte, conduisez-moi vers les ténèbres éternelles.
C'est au tout début du jeu, quand leur monde est détruit, on voit Kairi entrer dans le cœur de Sora. C'est au tout début. Oh, j'ai pas changé de Keyblade. Bon, bah, on va se battre avec celle-ci, qu'est-ce que je vous dise. On fera avec. En vrai, ça fait des jolis décors là, avec des trèfles, des pics et des carreaux. Bah, ça, c'est arrivé. Voilà, Gavroche, c'est arrivé. Qu'est-ce qui spam après là? Son cœur. Mais... Mais comment? Une Keyblade qui ouvrirait le cœur des gens, je me demande. Mais Sora... Sora! Attends!
Qu'est-ce qui m'arrive? Je tombe dans les ténèbres. Sora? Tu es vraiment... Non, c'est impossible. Je le laisserai pas partir. Oh, vous vous êtes finalement réveillée, princesse? La serrure est enfin complète. Vous avez joué votre rôle, mais c'est terminé. Accueillez-le, parfait! Mais attends, tu crois qu'on pourra l'arrêter tout seul? Je sais pas. C'est impossible. Non! Je refuse de faire ça pour vous! Riku! Vous devez partir! Les Sans-Cœurs arrivent! Et qu'est-ce qu'on fait pour la serrure? Ça vaut d'autres ici! Voilà tout ce qui reste de Sora, un sans-cœur. Ouais, l'arc du petit con est terminé. Boing. Donc là, oui, il y a eu la naissance de Roxas. Le simili. Mais ça, on est censé le comprendre plus tard. Enfin, on a l'explication plus tard. Bah, la naissance de Namine... Non, je pense pas, parce que... Ce serait plutôt dès le début du 1, en fait, que Namine... Je sais pas. Oula, oula, Xion, non, Xion, c'est pas du tout ça. Ventus non plus. Pourquoi le cœur de Ventus lui retourne pas? J'en sais rien. Si on se dit que Namine vient de Sora et de Kairi. Ah oui, de cette espèce de mélange là. Non, je pense que... Ventus, il est toujours dans le cœur quelque part, quoi. Il veut rester au chaud, ouais, voilà. Salut Sox. Comme le cœur de Ventus est encore en train de se réparer ou de se truc, ça marche pas, voilà. Le cœur, il dort. Le corps, il dort, c'est rigolo. Ventus... Après, le corps de Ventus est dans le manoir, mais... Mais ça joue pas là-dessus, je pense pas. Thank you.
son corps dans le manoir, son cœur en saura. Et du coup, vu que le cœur d'Odo, ça le libère pas... Enfin, voilà l'explication qu'on a trouvée pour recoller les morceaux, quoi, en gros. Je ne peux pas les abandonner. On ne peut pas rester ici. Son cœur nous poursuit. Je vais me charger de lui. Sora, est-ce que c'est toi? Cette fois-ci, je te protégerai. C'est ta flair. Kairi, merci. Sora. Sora! Bah Kairi qui sert à R, elle a quand même permis à ce que le corps et le cœur de Sora reviennent là, non? Elle sert pas vraiment à R. Viens avec nous. Je te l'ai déjà dit. Je ne partirai pas sans Belle. Alors... C'est son pouvoir de princesse de cœur. Elle a un cœur pur de lumière, alors elle peut faire ce qu'elle veut, ok? Allons-nous-en d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? La bête, if I speak. On a parlé de poils tout à l'heure, Sox. Cette serrure. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de sans-cœurs. Le seul moyen de les arrêter, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais, Livel. Peut-être. Dans KH3, on a toute cette phase où elle permet à Sora de revenir, là. Faut pas rester les bras croisés. On doit intervenir. Mon ami est toujours là-bas. C'est exact. Tu dois te soucier de ton autre ami. La Keyblade de Riku a dû naître du cœur des princesses captives. Tout comme la serrure que tu as vue. Bien sûr, sans le cœur de Kairi, elle restait incomplète. Une fois cette Keyblade détruite, le cœur des princesses aurait dû être libéré. Ne t'en fais pas, Sora. S'il y a quelqu'un qui peut sauver ton ami, c'est toi. Un peu de lave de la part de nous. Bon énième projet KH Brioche Ferira 3 follow Brioche Wai. Bah merci Benou. Merci beaucoup. Je croyais que la serrure renforcerait les ténèbres. Je veux dire, les ténèbres sont puissantes et pourtant, c'est comme si quelqu'un retenait les ténèbres. J'ignore pourquoi, mais les sans-cœurs deviennent plus forts. Une nouvelle espèce de sans-cœur surgit de partout. Si quelque chose nous arrive, je sais qu'on peut compter sur toi. Donc là, ça y est, il y a les nouveaux sans-cœurs bien plus forts. Comme le cœur de Kairi n'était pas présent au moment de sa formation, la Keyblade de cœur n'a pas de porte-clé pour le montrer qu'elle n'est pas complète. Ce genre de petits détails. Ah oui, ça y est, les sans-cœurs sont énervés. Oui, oui, je confirme, les sans-cœurs sont énervés. Hein. On va bientôt changer de Keyblade. Gravité.
Arrêtez! Hop là! Gravité! Ça suffit! Et tiens! Sapex! Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Je me souviens jamais. Est-ce qu'il faut retourner directement à la forteresse ou peut-être aller dans la grotte? Je sais plus. Boss secret d'Aladin, quoi? C'est pas ça maintenant. Pourquoi vous me parlez de ça? Mais pourquoi vous voulez le faire maintenant? Je comprends pas. Donc là, le niveau des mondes a bien augmenté partout. Je sais jamais dans quel ordre faut faire les choses. Ah oui, parce que du coup, oui, peut-être que c'est ça. Vu qu'on ne peut pas y aller, on lui explique. Je dois retourner à la forteresse oubliée. Ce n'est pas une bonne idée, les sans-cœurs se multiplient à chaque seconde. Ils dévoreront ton vaisseau. Que peut-on faire? C'est simple, les contourner au lieu de les affronter. Installe un nouveau Navigumi et prends un autre trajet. Un nouveau Gumi ou ça? Dans le canal secret. Voilà. Quand je suis arrivé il y a 9 ans, je l'ai gardé ici en cas de besoin. J'aurais jamais cru qu'il servirait à un gamin. A plus, Marinette. Et du coup, on n'a pas su pourquoi vous parliez du boss secret d'Aladin, là, d'un coup. Il y a dû y avoir une conversation en parallèle. Ce dessin est vraiment étrange, il est ensorcelant. Oui, il y a eu une contre-soirée là. Mais j'espère que la soirée de base vous plaît quand même. J'espère que vous passez un bon moment. Vous savez que j'aime bien que vous soyez là, alors voilà, merci d'être là. Allons rejoindre les autres. On devrait se reposer. D'accord. Mais avant... Au bout du tunnel. Oh, l'histoire de ta grand-mère, c'est ça? C'est ça. On était ensemble. Tu sais ce qui est drôle? Je t'ai cherché partout, alors que tu étais tout le temps avec moi. Et finalement, on est réunis, Kairi. Maintenant... Il faut que l'on ramène Riku. Tu crois que ça pourra redevenir comme avant entre nous? Riku a perdu son... Quand je me suis transformée en sans-cœur, tu m'as sauvée, tu te souviens?
J'étais plongé dans les ténèbres, comme une chute sans fin. Tandis que je tombais dans ce gouffre, j'oubliais des choses comme mes amis, qui j'étais. Les ténèbres ont failli m'engloutir. Mais là, j'ai entendu une voix. Ta voix. C'est toi qui m'as ramené. C'est vrai, je ne voulais pas t'oublier, Sora. Je ne pouvais pas. C'est ça. Nos cœurs sont connectés. Et la lumière qui en sort a traversé les ténèbres. J'ai vu cette lumière. Je crois que c'est ça qui m'a sauvée. Quelle que soit l'immensité des ténèbres, une lumière y brille toujours. Ça doit être bien plus qu'un simple conte de fées. Eh bien, allons-y. Tu ne peux pas venir. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Allez, Sora. On est arrivé jusqu'ici en faisant équipe. Tu ne peux pas y aller seul. Kairi, même si on est séparés, on n'est plus seul à présent. Pas vrai ? Je peux pas aider ? Tu me gênerais plus qu'autre chose. D'accord. T'as gagné. Prends ceci. C'est mon porte-bonheur, t'as intérêt à me le rapporter. Ne t'inquiète surtout pas. C'est promis ? C'est promis. N'oublie jamais. Où que tu ailles, je serai toujours à tes côtés. Moi. Oh. Tendre promesse. Oh. Bon, on a récupéré une amie, mais il en manque un autre maintenant. Est-ce que tu m'entends, Riku ? Je serai bientôt là ! C'est le roi qui parle ? Je détiens l'autre Keyblade. Ouais, c'est le roi. Celle qui appartient à ce monde. J'ai essayé de te parler, mais les ténèbres dans ton cœur m'ont repoussé. C'est à quoi ? Mais non. Qui es-tu ? Il est avec à quoi, le roi ? Quoi ? Oh, écoutez ! Insupportable. C'est le roi, c'est le roi là. Il a récupéré la clé, il a dit la clé de ce monde là, c'est celle qu'on voit à la fin de 0.2. Ouais, bon. On voit même la fin, on voit cette scène à la fin de 0.2, là, quand ils perdent leur fringue. Mickey Mouse! Ah. Augmente les MP de 1 point, accroît l'efficacité pardon, des sorts et invocations, favorise les coups critiques. Avec le porte-clé, porte-bonheur. Les rêves pour BBS, je vais aller le remater. Faut revoir le premier projet. Hein.
Vous regardez le premier projet dans l'ordre. J'aurais le regardé aussi, en fait. Vous aurez vos réponses. Salut à Rui. Boum, c'est Miss Mami. Assez compliqué mentalement en ce moment. Très content de pouvoir l'heure qu'en regardant les live cash. Surtout que j'aime de plus en plus le jeu, donc merci. Bah, j'espère que t'arrives à comprendre des choses. Franchement, encore, je répète, hein, mais découvrir cash là maintenant, c'est pas l'idéal. Hein. Regardez les rediffs du premier projet dans l'ordre. C'est tout bien expliqué. Le premier répond à vos questions, le deuxième remet en question celle que vous vous posez. Faut regarder le premier projet pour comprendre le deuxième. Quel enfer. C'est qui Miss Mami? C'est une drag queen. Et il y avait une chanson où elle faisait ça. Boum, c'est Miss Mami! Et ça nous est resté un peu dans la tête. KH, c'est pas dur, il y a KH1, KH2, KH3, voilà. C'est... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. comment on retourne là-bas? Attends, j'ai encore oublié quelque chose, putain. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? C'est insupportable ce passage à chaque fois. Pour parler, pour débloquer, là. Casse les couilles! Je vais le chercher, ton avis Gumi, là. Tu l'as trouvé! Bah oui, bah oui. C'est fait, voilà, c'était tout ça pour ça. Hein. Bravo monsieur. Petit check du menu là de notre arme de guerre. Non, putain, ça y est, je fais n'importe quoi. Bloc mur, bloc booster X, booster, scan. Ah, regarde le filet là. C'est ça qu'on veut. Ça, je l'ai mis au pif là. Très très beau, très très beau vaisseau. Niveau aérodynamisme, c'est top. Attends, on va peut-être aller voir Geppetto. Je suis sûr qu'il va me donner un nouveau plan, là. Un magnifique plan de vaisseau que n'utilisera jamais. Le modèle Iris. Merci beaucoup. Un autre ? Je pourrais peut-être améliorer votre vaisseau, revenez me voir plus tard. Ok, j'en ai qu'un seul. Récup la Keyblade.
Laquelle? Laquelle? Ah! Bonne étoile? Mais ça, je l'ai déjà pris, oui. C'était il y a 10 ans. Oui, elle est là. C'est bon. Par contre, elle est bien parce qu'elle fait un coup critique à 100% en fin de combo. On va quand même mettre Tendre Promesse un petit peu, là. Pas déconner. Après, on changera peut-être pour une autre, mais...